Merci pour ta présence qui nous fait du bien, toi qui nous rassemble, qui nous réunit ici. Nous te disons merci pour ton esprit qui, Seigneur, encore une fois, va nous éclairer, va nous édifier, va nous parler, va nous révéler les profondeurs de ta parole. Sois béni, Papa, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à notre rendez-vous d'intercession. Je vous encourage à participer parce que c'est très important. Et c'est vrai, ce soir, il y a notre chaîne de prière qui continue. Certains seront là. Voilà. Certains seront là ce soir, cette nuit, à partir de minuit. Corinne, Marie-Ruth, Madame Michel, Déborah, voilà, Odile, Afoué, Odile. Votre groupe sera là pour la prière. Mais en attendant, nous allons poursuivre notre petite étude, puisque c'est une étude qui porte sur le sang de Jésus-Christ. Et l'avantage et ses avantages. Et ce soir, nous allons parler de ce thème, triompher de l'échec par le sang de Jésus. Triompher de l'échec par le sang de Jésus. Nous allons lire un texte dans le livre de Zacharie au chapitre 9, du verset 9 au verset 12. Zacharie chapitre 9, verset 9 à 12, que je vais lire. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Verset. Et la suite, s'il vous plaît, excusez-moi. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Verset 10. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre. Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Verset 12, retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Bien-aimé peuple de Dieu, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez, comme je l'ai dit, le thème ce soir est triompher de l'échec par le sang de Jésus. Cette prophétie de Zacharie
date d'environ 500 ans avant Jésus-Christ. Donc 500 ans environ avant Jésus-Christ, le prophète Zacharie fait entendre un message de la part de Dieu. Et à travers ce message du prophète, Dieu va pousser le peuple à la reprise des travaux, à savoir la reconstruction du temple de Jérusalem, qui donc avait été détruit. Et dans l'accomplissement de la tâche, Dieu va encourager son peuple. Dieu va leur parler. Il va leur donner un message plein d'espoir. C'est pourquoi Zacharie est appelé le prophète de l'espérance. Plus tard, je disais 500 ans avant, la prophétie a été donnée. Mais dans le ministère de la grâce, avec Jésus-Christ, cette prophétie va s'accomplir pour le monde nouveau. Le verset 9 qui a dit tout à l'heure, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Cette prophétie du verset 9 va s'accomplir dans Matthieu 21, du verset 1 au verset 5, lorsque Jésus-Christ de Nazareth fait son entrée à Jérusalem. Ça, pour la première fois, c'était un message d'encouragement. Mais ce message était une prophétie pour le monde nouveau, le monde auquel nous appartenons. Et dans Matthieu 21, verset 1 à 5, comme je le disais, il est écrit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Quel prophète? Le prophète Zacharie, 500 ans avant, lorsqu'il dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable messager de l'espérance, le messager de l'espoir et de la paix, vient donc pour accomplir, à travers cette prophétie qui se réalise, une œuvre de délivrance à travers cette autre prophétie donnée par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 53, prophétie que nous connaissons très bien. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, oui, cette délivrance va s'opérer par le moyen du sang de Jésus. La délivrance annoncée
va s'opérer par le moyen du sang de Jésus, qui sert d'alliance entre Dieu et les captifs qui vont accepter l'Éternel comme Dieu et l'adorer comme tel. Je reprends. Dans cette prophétie de Zacharie, nous voyons qu'il parle au peuple d'Israël. Et il annonce que le Sauveur vient monter sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Et le verset 11 de Zacharie 9 dit qu'il vient pour retirer les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Et cette mission du Seigneur sera annoncée par Ésaïe dans Ésaïe 53, prophétie que nous connaissons, qui parle de son sacrifice, de sa souffrance. Mais cette délivrance, à la vérité, va s'opérer par le moyen du sang de Jésus. Comme nous l'avons vu, ce sang de Jésus qui vient comme une alliance entre Dieu et ses captifs, que nous sommes tous, et non plus le peuple d'Israël seul, ces captifs que nous sommes tous, le sang de Jésus vient comme une alliance entre Dieu et nous, pour que alors nous soyons libérés. Le verset 11 tout à l'heure, que j'étais en train de reprendre, a dit: et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Je retirerai par le sang les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Cette même prophétie sera confirmée par le Seigneur Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 4, au verset 18, plutôt dans Luc, excusez-moi, dans Luc chapitre 4, pas Matthieu, dans Luc chapitre 4, au verset 18, lorsqu'il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Zacharie dit que celui qui arrive, qui est monté sur un âne, le petit d'une ânesse, vient pour délivrer les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Jésus vient reprendre cette prophétie qui a été aussi donnée par Ésaïe, quand il dit qu'il est venu pour délivrer les captifs. Mais à travers la prophétie, le prophète fait une précision de taille sur la condition des captifs, les captifs, les prisonniers. Il fait une précision sur la condition, sur l'état véritable des prisonniers que celui qui arrive, le Messie, le messager, vient délivrer. Il dit: les captifs sont dans une fosse, dans une fosse, dans un trou. Et deuxième chose, là où ils sont, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Cela nous rappelle Joseph, qui fut jeté
dans un puits par ses frères, et dans ce puits, il n'y avait pas d'eau. Bien-aimé, comment sera la vie d'un captif qui est dans une fosse sans eau? Comment sera la vie de cette personne? La seule réponse sera que la vie de cette personne sera une vie d'échec, une vie de mort. Et c'est ce que nous étions tous. Tous. Nous étions tous en captivité, dans une fosse sans eau. L'eau ici qui va venir sauver le captif, c'est la parole de Dieu. C'est pas Dieu qui dit qu'il est l'eau de vie. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler. Mais nous allons voir plutôt ce que le Messie va accomplir à travers son sang pour que le captif qui est dans une fosse sans eau puisse sortir, puisse être libéré. Mais le prophète Zacharie toujours déclare que à cause de l'alliance scellée par le sang du libérateur, le captif sera délivré, sa vie d'échec va prendre fin, sa vie de mort va prendre fin. Le prophète Zacharie annonce que ce qui va rendre libre le captif qui est dans la fosse, ce qui va le faire sortir de la fosse, c'est l'alliance par le sang de Jésus qui lui sera alors apportée. Pourquoi? Jésus ou Dieu est hors de la fosse. Pour que nous comprenions mieux, si tu te retrouves dans un puits, dans un trou, pour que tu puisses sortir facilement, il faut que celui qui est hors du trou te tende alors un moyen, un instrument par lequel ou bien auquel tu vas t'agripper et puis tu vas sortir. Ça peut être une échelle, ça peut être un bois, ça peut être une corde, quand il s'agit d'un trou ordinaire. Mais ici, le prophète annonce que personne ne peut sauver le captif de la fosse où il n'y a pas d'eau, que c'est seul le sang de Jésus qui lui sera apporté comme moyen, instrument, parce que c'est Dieu qui sera en haut et qui va tendre comme pêche le sang de Jésus, et c'est par le moyen du sang de Jésus que tu vas monter, tu vas sortir. Ça, c'est aussi un mystère de Dieu. Un mystère parce que si on devait voir la chose humainement parlant, comment est-ce que quelqu'un peut s'agripper à un sang? C'est même pas possible. Même si le sang même devient solide, c'est pas possible. Même si le sang se coagule, quelle sera la quantité de sang qui va se coaguler pour que tu puisses monter dessus jusqu'à sortir d'une fosse? Ce n'est même pas possible. Mais ici, le sang est présenté comme l'instrument, le moyen par lequel nous sommes liés à Dieu.
Donc Dieu est hors de la fosse parce que lui seul Dieu ne peut jamais être dans une fosse, dans une prison. Tout homme, tout être, tout esprit hors de Dieu peut se retrouver dans une fosse. Sauf Dieu lui-même. C'est lui seul qui est hors et il nous lie à lui. Nous qui sommes dans la fosse par son sang. Donc c'est pourquoi le sang de Jésus est aussi appelé le sang de l'alliance. Alliance ça veut dire lié. Et c'est par ce moyen que nous pouvons sortir. Peuple de Dieu, et le sang de Jésus qui nous lie à Dieu, cette alliance par ce sang fait de nous les hommes ou des femmes, des personnes engendrées par Dieu. Bien-aimés, si nous sommes liés à Dieu par un moyen et que nous sommes engendrés par Dieu, ce qui veut dire que nous sommes engendrés par Dieu, nous sommes aussi vainqueurs comme celui qui nous a engendrés est vainqueur. C'est ce que l'apôtre Paul va déclarer. Celui qui est lié à Dieu, celui qui est en alliance avec Dieu, est aussi vainqueur comme Dieu est vainqueur quand il dit dans Romains chapitre 8 au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc celui à qui nous sommes liés, avec qui nous sommes en alliance, nous donne la victoire parce que lui, il est toujours victorieux. Et c'est ce que l'apôtre Jean va nous dire aussi dans 1 Jean au chapitre 4, verset 4, quand il déclare, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en alliance avec Dieu par le moyen du sang de Jésus est aussi victorieux comme Jésus ou Dieu lui-même est victorieux. Peuple de Dieu, des épreuves peuvent survenir. Des difficultés dans la vie peuvent survenir. Des problèmes peuvent survenir dans la vie d'un enfant de Dieu, d'une personne qui a une alliance avec Dieu, mais cela n'est pas synonyme d'échec. Écoute-moi bien ce soir. Des problèmes vont survenir, pas peu, vont survenir. Des difficultés vont survenir, des épreuves vont survenir, dans la vie de celui qui est en alliance avec Dieu par le sang de Jésus, mais cela ne signifie pas qu'il a échoué. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Des problèmes vont arriver, des difficultés vont arriver, des situations difficiles vont arriver, la maladie va arriver. Tout va sembler s'écrouler autour de toi. Tout le monde va t'abandonner. Tous ceux sur qui tu comptes vont t'abandonner. Mais cela ne signifie pas que tu as échoué. Alléluia. La victoire que nous avons se trouve dans le sang de Jésus qui nous lie à Dieu. Quand on parle de l'alliance, si tu veux, donne-moi un peu ça, s'il te plaît. Non, prends un.
là. Hein. Et voilà le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bon, comme c'est pas rouge. Hein. C'est blanc. Le sang de Jésus, c'est, si vous voulez, cette corde. Bon, c'est lui Jésus. C'est lui Jésus et moi je suis Élie. Le sang de Jésus me met en alliance avec Dieu. C'est lui Dieu. Donc partout où Dieu va, va bouger. Est-ce qu'il bouge sans moi? Dieu ne peut jamais bouger sans moi. Moi aussi, quand je bouge avec Dieu. Parce que je suis en alliance avec Dieu par le moyen de son sang. C'est ça le sang de l'alliance. C'est pas le sang de Jésus est tout particulier. C'est différent de nous, nos sangs qui sortent de notre corps, de nos veines, de nos artères. Alléluia. J'étais en prison. J'étais restant. J'étais dans la fosse. Et il n'y avait pas de secours. Dans une prison, j'étais captif. Tous les hommes sont prisonniers. Qui va nous sauver? Je vais tout faire, je vais tout tenter, je vais tout essayer. Jamais sortir de la fosse. Cette fosse, d'eau. Dans cette fosse, il n'y a pas d'eau. Mais Dieu vient pour me faire sauver. Pour me faire sortir plutôt, il tend, il envoie le sang. Vous voulez un peu comme ça, le sang de Jésus. Et c'est parce que si j'attrape seulement, il a dit que j'aime me détacher. Le sang de Jésus qui alors me trouve dans la fosse et je sors de la fosse. Et quand je sors maintenant, lié maintenant par le moyen du sang de Jésus. Je suis en alliance avec Dieu par le moyen du sang de Jésus. Des difficultés vont arriver, comme je l'ai dit, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que tu as échoué. C'est comme Jésus. Jésus a éprouvé, il a été éprouvé, il a souffert, il a été rejeté, battu par les hommes. Mais ça ne veut pas dire que Jésus a échoué. Non. Les épreuves, les difficultés, les souffrances, les problèmes font partie du programme de Dieu. C'est comme si vous voulez le programme scolaire. Quand tu viens à l'école, en tant qu'un élève, il y a un programme qu'il faut suivre. Tu ne peux pas sauter des cours. Quand tu viens à la rentrée jusqu'à la fin d'année, il y a des cours qu'il faut suivre. Tu ne peux pas sauter. C'est la même chose. Même quand on a une alliance avec Dieu par le moyen du sang, Dieu ne peut pas nous faire sauter les épreuves. Jamais ça n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Alléluia. La victoire se trouve dans le sang de Jésus qui nous lie à Dieu. C'est là. La victoire se trouve dans le sang de Jésus. Reviens encore. Ma victoire que je vais avoir, la victoire que je vais avoir ne se trouve pas dans le fait que je suis bien habillé, je suis grand, je suis beau. Non, la victoire que je vais avoir se trouve dans le fait que je suis lié à Dieu par le sang de Jésus. Donc ma victoire se trouve dans ça. C'est dans ça que se trouve ma victoire. Parce que si ça quitte, si le sang de Jésus quitte, mais je ne suis plus dans la victoire. Parce que je serai déconnecté de Dieu, je serai séparé de Dieu. Et si je suis séparé de Dieu, qui va m'avoir? C'est le diable. C'est pas le sang de Jésus est puissant. C'est par lui que nous avons la victoire.
Amen, 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 amen. C'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire. Parce que le sang de Jésus qui nous lie à Dieu fait que partout où on va, Dieu est avec nous. Même quand tu dors, tu es couché, Dieu est couché avec toi. Quand tu es assis, Dieu est assis avec toi. Dieu ne peut pas se détacher de toi, tu ne peux pas te détacher de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Alléluia. Même quand tu dors, ou même Dieu te permet de voir les sorciers en train de tourner autour de ta maison, ça ne veut pas dire qu'ils t'ont vaincu. Non. C'est pas, j'aime dire aux gens, aux chrétiens, qu'un son ne te trouble pas. C'est normal que Dieu nous montre des choses. C'est normal. Dieu est un stratège. Personne ne peut le maîtriser, le connaître. Il sait que s'il ne nous montre pas des choses, on ne va plus prier. Il sait que s'il ne permet pas de temps en temps qu'on nous donne des cocotas, on ne va plus prier. Un enfant que tu as, à qui tu donnes tout, depuis l'âge de 1 an jusqu'à 20 ans, c'est toi qui l'habille, c'est toi qui paye sa chaussure, c'est toi qui mets la nourriture dans sa bouche, c'est toi qui fais son lit, c'est toi qui le couvre, c'est toi qui lui dis va te laver. Quand il se lave pas, c'est toi qui fais. L'enfant va faire quelque chose encore. Il ne va plus rien faire. Il sera paresseux. On dit chez nous, l'enfant est pourri. Dieu ne veut pas nous pourrir. Il ne veut pas que je sois pourri. Il ne veut pas que nous soyons pourris. Ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Non, frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'on est dans la défaite. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Le sang de Jésus nous lie à Dieu, nous l'expression alliance. Parce qu'il n'y a pas de l'alliance sans comprendre. Et comme nous l'avons vu hier, selon Hébreux chapitre 12, verset 24, qui dit que le sang de Jésus-Christ, plus que le sang d'Abel, oui, en effet, le sang de Jésus qui nous lie à Dieu, crie et parle chaque instant à Dieu de nous donner la victoire dans ce monde. C'est le sang de Jésus qui parle à Dieu. Nous prions. Mais tant que le sang de Jésus n'a pas fait l'écho de nos prières, Dieu n'entend pas. Dieu est sourd. Est-ce que tu sais souvent Dieu est sourd? Il est sourd. Il se fait sourd. Parce que ce n'est pas celui qui doit lui parler qui lui parle. Regarde, tu as une situation avec ton papa, bien ta maman, et puis tu veux aller arranger ça, tu prends un émissaire pour l'envoyer vers ton père ou vers ta mère. Il y a deux. Tu t'en prends quelqu'un qui n'est même pas en accord avec ton papa. Les deux s'entendent même pas. Et puis tu en le vois, ah, tonton, vraiment, il faut aller régler mon problème avec mon papa pour moi. Bon, lui aussi, il s'en va, il parle. Tu es sûr que ton père va l'écouter? Non, il ne va même pas l'écouter. Mais tu prends parmi les amis, les parents de ton père, parce que tu les connais, celui qui est vraiment proche de ton papa, celui que ton papa considère, et tu sais que lui, quand il parle à ton papa exécute. C'est pas même dans la famille, même nous les enfants, et même nos enfants. Les enfants font ça. Parmi les enfants, ils savent qu'il y a un parmi eux là. Lui, quand il parle à papa, papa écoute. Quand ça chauffe, et tous, ils vont vers lui, va dire au vieux père. Et c'est comme ça. Or, dans le monde spirituel, dans la spiritualité de Dieu, c'est le sang de Jésus qui parle à Dieu et Dieu exécute. Je
Je répète pour qu'on comprenne bien. Cette semaine, nos prières là, voici des sujets qui sont là pour le premier groupe. Vous allez voir, on va mettre un accent sur le sang de Jésus. Vous savez, quand on vient en Christ, à Christ, on grandit en connaissance. On grandit. Au départ, on dit prie. C'est pas mauvais. On dit, si tu pries pas, Dieu t'entend pas. On prie. Au fur et à mesure, on te dit, bon, oui, tu as prié, mais voilà comment ça se passe. Voilà le processus. C'est comme ça. Étape par étape. Voici Marie-Ruth, elle est où? Tu es couturière. Quand un apprenti vient, non, je laisse ça, je prends les petits mécaniciens. Parce que là, eux, je les vois souvent faire ça. Quand tu vois un petit, qu'on envoie la mécanique, au départ, les premiers jours, quand il finit, le soir, il est rempli, ton habit est rempli d'huile, graisse. Et il est content comme ça. C'est-à-dire, il veut montrer que maintenant, il peut réparer une voiture ou bien une moto, mais rien. Mais au moins, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à enlever une bougie, il arrive à faire... Il est content pour lui. Mais on ne le décourage pas, on l'encourage, oui, c'est bien. Mais au fur et à mesure qu'il avance, il réalise qu'il a encore plus à apprendre. Et là, aujourd'hui, nous sommes arrivés, nous, à ce stade maintenant, où nous devons comprendre que quand nous prions, nous parlons, celui qui fait l'écho de nos prières, c'est-à-dire celui qui transmet nos prières à Dieu, c'est celui avec qui nous sommes en alliance avec Dieu. C'est le sang de Jésus qui porte. C'est pourquoi, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, en tout temps, le sang de Jésus est en train de parler en notre faveur. Oh, un bon amen, s'il te plaît. Le sang de Jésus parle seulement. Il parle. Quand Dieu dit prier sans cesse, c'est tout ce que tu vas dire que le sang de Jésus va transmettre. Si tu dis rien, il ne transmet rien. Tu veux qu'il transmette quoi à Dieu si toi tu n'as rien dit? Hein? Donc, on a oublié de prier. On parle. Parce que lui, il ne prie pas. Lui, il transmet. Il transmet, il fait passer, il est le couloir, il est le pont, il est le moyen par lequel nous sommes dans encore. Si tu veux, maintenant je vais plus nous attacher, mais je vais prendre comme ça. Vous voyez, avant, il y avait les téléphones sans fil. Et les téléphones avaient fil. Avant, voilà. Et on a vu les gens se promener, les téléphones sans fil. Excusez-moi, un fil là, ça traînait partout comme ça dans la brousse, au bord de la route. Et on était trop voyous, nous les enfants. On a trop fatigué les gens de la téléphonie. Un matin, on se lève, on s'est coupé. Le lendemain, on les voit. Ben, nous, notre village est au bord de la voie, là, vous connaissez Minacro. Nous les voyons venir, les voitures sont en train de chercher les fils qui sont coupés. Parce que ceux qui sont vers Katula, oh, ils n'ont plus de communication. Le monde a évolué. Hein? Voilà, donc c'est comme ça. Moi, je suis là. Allô? Oh, Seigneur! Manifeste ta puissance dans ma vie. Seigneur! Mais qu'est-ce qui va amener ma prière à toucher Dieu? C'est le sang de Jésus qui a le courroie de transmission par lequel ma prière va atteindre Dieu. Mais si il n'y a pas le lien qui me lie à Dieu, si je prie, Dieu va entendre comment? Aujourd'hui, les films n'existent plus, c'est vrai, mais il y a le réseau. Aujourd'hui, on installe les relais partout. Quand nous quittons Ayam Sokro pour venir à Boisflé, il y a des relais à côté, un relais. L'autre côté, un relais.
Voilà. Souvent, on a des problèmes de communication parce que soit il y a un relais qui a pris. Il y a un relais à côté de la cour de Flavien. Vous les voyez à tout moment venir assurer l'entretien. Pourquoi? Pour ne pas que la communication se coupe. Dans le temps, il y a eu un problème. Et on vit ça. Je ne sais pas si c'est réparé maintenant. Hein? Il y a eu un câble. Il y a des câbles sous-marins dans l'eau qui sont coupés. C'est pourquoi il n'y avait plus de connexion. C'est la même chose. Si le sang de Jésus n'est pas là, je le prends comme ça pour qu'on comprenne mieux. Hein? Qu'est-ce qui va transmettre notre prière à Dieu? Donc, quand tu pries, il fait passer. 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 Et Dieu ne considère que ce qui passe par le sang de Jésus. C'est pourquoi j'ai pris l'expérience avant de la communication avec les téléphones à fil. Souvent même, le téléphone est dans la maison. Et le fil passe comme ça sur le toit et ça rentre. Le jour où tu n'es pas content parce qu'il y a une situation, on a fait aussi. Ça me rappelle beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai ri. On monte là-bas, on coupe tout. On n'est pas content du vieux. On coupe. Ah, il y a quoi? Allô? Ah, il y a quoi? Allô? Mais ils ont coupé. Oh, vraiment. Depuis, on a disparu. Il nous a mal géré. Parce qu'il nous a mal géré. Bien-aimé peuple de Dieu, le sang de Jésus est puissant. Quand on parle du sang de Jésus, il est puissant. C'est par lui que nous sommes sauvés. Amen, amen, amen. Et c'est par lui, peuple de Dieu, que nous sortons de la fosse où il n'y a pas d'eau. Et le sang de Jésus est tout le temps en train de parler à Dieu en notre faveur. Et c'est par lui que nous avons la victoire. Parce que notre Dieu est appelé le Dieu de toute victoire. Quand celui avec qui nous coopérons, avec qui nous sommes en alliance, a toujours la victoire, mais toi, tu es toujours victorieux. Et nous terminons pour dire ceci. La victoire en Christ aussi ne signifie pas tout posséder ou tout avoir. Les gens pensent que quand on dit j'ai la victoire en Christ, ça veut dire j'ai tout possédé, j'ai tout eu. Non. La victoire, c'est simplement le fait de préserver sa relation avec Dieu. La victoire, c'est de préserver sa relation avec Dieu, son alliance avec Dieu. C'est ça, la victoire. Quand tu dis, j'ai la victoire, beaucoup pensent qu'ils ont la victoire. Quand ils ont prié, un démon a fui. Ils ont prié, un esprit mauvais est parti. Ils ont prié, non, j'ai la victoire. Nous avons la victoire, on crie. On acclame parce qu'on a la victoire. Oui, on acclame, mais ce n'est pas ça. Tu peux, une situation peut arriver. Dieu peut décanter une situation. Mais tu n'as pas la victoire parce que, à la vérité, ta relation avec Dieu est brisée. Mais Dieu, en tant que... C'est comme quand on dit Dieu fait tomber sur le juste, pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Quand il fait pleuvoir sur le méchant, ça ne veut pas dire que le méchant a la victoire. Non. Ça ne veut pas dire qu'il a la victoire. Dieu conjugue la victoire par le fait que tu es en relation parfaite avec lui.
C'est là, il dit, tu as la victoire. Et cette victoire vient du sang de Jésus. Et à l'opposé, pour Dieu, l'échec, c'est lorsque tu perds ta relation avec Dieu. C'est tout. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tu peux ne pas avoir des choses que les autres ont. Cela ne veut pas dire que tu es dans la défaite ou bien tu as échoué. Mais tu es dans la victoire. Parce que dans ce que tu n'as pas les choses que les autres ont, mais ta relation avec Dieu est préservée. Dieu dit, tu as la victoire. Donc la victoire qu'on chante, c'est une question de préservation de relation avec Dieu. Amen, amen, amen. C'est pourquoi j'ai dit chaque fois, il faut que nous comprenions le langage de Dieu. Le langage de Dieu et puis notre langage, ce n'est pas la même chose. Et le seul moyen de préserver la relation avec Dieu pour demeurer dans la victoire, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Que Dieu nous bénisse ce soir. Là où tu es, est-ce que ta vie est un échec? Beaucoup ont dit, ah, moi j'ai échoué dans la vie. Vraiment j'ai échoué. Dieu te regarde, dit, mais tu n'as rien compris. Tu n'as pas échoué. Au contraire, tu as la victoire. Vraiment, je voulais être PDG d'une société. Je voulais être ministre. Je voulais être docteur. Un grand homme d'affaires. Aïe, aïe, aïe. Une femme d'affaires. Malheureusement, j'ai échoué dans ma vie. J'ai échoué. Ma vie avec Dieu, c'est un échec. Toi, tu conjugues la victoire parce que tu n'as pas 10 millions dans ton compte. Tu n'as pas une maison, tu n'as pas une voiture. C'est ça. Or, de l'autre côté, Dieu dit, tu as la victoire. Tu n'as pas encore compris. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Parce que tu as une bonne relation avec le Seigneur. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas compris quand ils ont vu Jésus en train d'être frappé, humilié. On dit, oh là là, on pensait que c'est lui qui allait nous donner la victoire. Or, lui-même, il a échoué, il a perdu. Or, au contraire, il est dans la victoire. Je ne sais pas si tu comprends ce soir. À travers ce message, il veut que tu... C'est quoi le message du prophète Zacharie? C'est un message d'espérance. C'est le message du Seigneur que beaucoup n'ont pas encore compris. Que ce soit nous les hommes, les chrétiens, le chrétien lambda, le chrétien ordinaire, il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Peuple de Dieu. Le sang de Jésus nous donne la victoire parce que il nous met en alliance avec Dieu et il nous fait triompher ainsi de l'échec. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à manger les plats que tu veux manger tous les jours que tu es dans les temps, que tu as échoué. Non. Regardez l'apôtre Pierre. Il était en prison. Est-ce que ça veut dire qu'il a échoué? Non. Malgré qu'il était en prison, mais il était dans la victoire. Parce que sa relation avec Dieu était parfaite. À partir d'aujourd'hui, chrétien,
Cherche à préserver ta relation avec Dieu par le sang de Jésus. Et là où les hommes diront que tu as échoué, le Seigneur dira plutôt que tu as la victoire. Nous allons prier avec quelques sujets. Et comme cette semaine, presque beaucoup ont passé. Alors, les sujets vont vraiment revenir. Pour vous qui nous suivez, je l'ai dit, je vais partager un lien Skype. Voilà. Tu vas prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour le don du sang de Jésus qui te met en alliance avec lui. Tu as dit merci à Dieu qui nous a donné le sang de son Fils pour que nous soyons en alliance avec lui et pour que captifs que nous étions dans des forces sans eau, dans lesquelles il n'y avait pas d'eau, que nous soyons libérés, nous soyons sortis. Dis merci à Dieu pour le don du sang de l'alliance, le sang de Jésus qui nous met en alliance avec lui. Prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous célébrons ta grandeur, nous proclamons ta grâce. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, merci pour le don du sang de ton Fils, le sang qui nous met en alliance avec toi et qui nous donne d'être libérés de la force sans eau. Seigneur, nous te bénissons vraiment. Sans le sang de Jésus-Christ, qui peut nous sauver? Sans le sang de Jésus-Christ, qui pourra nous sauver? Nous voulons te rendre grâce, célébrer ton nom, proclamer ta grandeur. Merci, Papa, pour ce don merveilleux. Merci, Éternel, pour ce don puissant, ce don précieux. Merci, Adonai. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Mon âme célèbre ta grandeur, proclame ta fidélité. Mon âme t'adore. Merci, Seigneur. Merci, Dieu tout-puissant. Le sang de Jésus nous fait du bien. Le sang de Jésus me fait du bien. Le sang de Jésus me fait du bien. Le sang de Christ que tu as donné me met en alliance avec Dieu. Oh, avec toi. Et je te bénis, oh Seigneur mon roi. Je te bénis, Adonai. Je te bénis, Dieu vivant. Je te bénis, éternel Dieu puissant. Je te bénis, Dieu de majesté, Dieu de fidélité. Je te bénis, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Je te bénis, Seigneur mon Dieu. Merci pour le don du sang du Christ. Quelle grâce. Quelle grâce. Personne n'a donné quoi que ce soit. Personne, ô Dieu de gloire. Mais tu as fait don du sang de l'agneau. Tu as fait don du sang de l'agneau pour nous mettre en alliance avec toi, éternel.
C'est pourquoi nous célébrons ta majesté, nous proclamons ta grandeur, nous t'exaltons, nous te louons, nous te magnifions, Seigneur. Sois béni, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, merci. Il a vu ta condition de prisonnier, prisonnier des esprits de ta famille, prisonnier des esprits des eaux, prisonnier des esprits des montagnes, prisonnier des esprits des cimetières, prisonnier des esprits aux ancestraux, prisonnier. Et alors, il s'est souvenu de toi. Il a fait don de son fils pour que par le moyen de son sang, tu sois libéré de cette prison. Dis merci au Seigneur qui s'est souvenu de toi étant dans cette prison. Tu as crié, personne ne pouvait te sauver. Mais lui, il s'est souvenu pour te sauver. Dis-lui merci au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons, ô tendre Père, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, le Dieu souverain, le Dieu admirable, le Dieu adorable, le Dieu incomparable. Merci Seigneur, toi qui t'es souvenu de nous. Tu as vu ma condition, la condition de ton peuple, de tes enfants. Tu as vu la condition des hommes, de l'humanité tout entière. Et il t'a plu, ô tendre Père, de faire don de ton fils, afin que par le sacrifice et par le moyen de son sang, éternel, nous soyons libérés de la captivité. Jésus-Christ l'a annoncé dans Luc 4, verset 18. Il est venu pour délivrer les captifs. Et je fais partie de ces captifs. Mon frère ici, ma soeur ici, ton fils qui nous suit fait partie des captifs. Nous faisons tous partie des captifs que Seigneur, tu es venu libérer, tu es venu délivrer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu vivant, Dieu puissant. Éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui sauve, Dieu qui affranchit, merci infiniment. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Alors encore tu vas prier. Peuple de Dieu, nous allons, et c'est important, nous l'avons vu hier, nous allons nous approcher de Dieu. Pour que le sang de Christ soit en alliance, soit le sang de l'alliance pour qu'il nous mette en alliance avec Dieu, il faut que notre vie soit à sa gloire. Peuple de Dieu, Jésus n'est pas venu pour condamner quelqu'un. Il est venu pour nous sauver, pour nous affranchir. C'est pourquoi il a dit, si nous revenons à lui, il reviendra à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Nous les pardonner et nous purifier par son sang. Bien-aimé, tu vas encore demander pardon au Seigneur. Tu vas prier Dieu. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur vraiment, alors, ait compassion, qu'il réalise que nous sommes vraiment sincères, que la prière ne soit pas seulement dite du bout des lèvres, mais que le cœur exprime la douleur, le cœur exprime le regret du péché, de l'iniquité. Quelle que soit l'ampleur de ce péché, Dieu est fidèle pour nous pardonner. Prions le Seigneur.
Nous demandons vraiment au sang de Jésus de plaider auprès du Père pour nous. Qu'il plaide, qu'il parle. Le sang de Jésus-Christ parle à Dieu. Et qui demande au Seigneur, à Dieu, vraiment d'accepter nos prières, notre repentance. Prions, parlons au Seigneur que son sang crie à l'Éternel en notre faveur pour qu'il nous pardonne nos péchés. Prions le Seigneur. Demandons au sang de Jésus vraiment de plaider, de parler en notre faveur. Nous sommes en cette fin d'année et nous voulons vraiment que les choses changent. Prions et demandons encore au Seigneur que par le moyen de son sang, que notre vie, notre âme sorte totalement du gouffre, notre âme sorte totalement de la prison, notre âme sorte totalement de la force. Prions le Seigneur que par le moyen de son sang, par le moyen de son sang, qu'il aide notre âme à sortir maintenant. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu tout-puissant,
Tu m'enseignes ici que, oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, Seigneur, Dieu de justice, ô Père éternel, Dieu d'amour, que par le moyen de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, Adonai Elohim, El Shaddai, ô tendre Père, je te prie, je te supplie, j'implore ta grâce, j'implore ton amour, j'implore ta miséricorde, j'implore, ô Seigneur, ta compassion, j'implore ta justice, Seigneur. Je te prie, Papa Yahweh, je te prie, je te prie, je te prie, El Shaddai, je te prie, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, je te prie, toi le rejeton de David, le Dieu de l'univers, je te prie, toi le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu de justice, je te prie, toi le Dieu de gloire, je te prie, toi le Dieu vivant, je te prie, je te prie, je te prie, je te prie, ô tendre Père Adonai, je te prie, ô Seigneur mon Dieu, je te prie, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, ô Seigneur, que ton sang, Jésus, que ton sang, que ton sang, que ton sang, Père éternel, Dieu tout puissant, que ton sang, alors, ô Adonai, me fasse sortir de ce trou. Je crie à toi maintenant, Seigneur. Je veux expérimenter la liberté, la délivrance totale. Ô Seigneur, mon Dieu de la force, je te prie, éternel Dieu des armées, Dieu de compassion, roi des rois, Dieu vivant, Dieu fidèle. Ô tendre Père, je veux compter sur ta grâce, je veux compter sur ton amour, sur ta justice. Je veux compter sur ta gloire. Ô tendre Père, s'il te plaît, manifeste ta grâce dans ma vie, manifeste ta puissance, manifeste ta grandeur, ô éternel Dieu. Je veux compter sur toi, Papa. Je veux compter sur toi, Papa. Tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu glorieux. Ô Seigneur, que ton sang opère pour moi. Ô, comme l'a annoncé, ô Dieu puissant, le prophète, ô Père éternel, Dieu des armées, je veux compter sur toi, je veux compter sur toi. Je veux compter sur toi, je veux compter sur toi, je veux compter sur toi, au nom de Jésus, 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 ô Seigneur Jésus, éternel Dieu des armées, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de compassion, éternel Dieu de fidélité, éternel Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus, 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 Adonai Elohim El Shaddai, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, toi le Dieu fidèle, le Dieu souverain, le Dieu glorieux, le Dieu admirable, le Dieu incomparable, le Dieu riche, le Dieu fidèle. Seigneur mon Dieu, je crie à toi que ton sang opère dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux voir le sang de Jésus agir pour que mes enfants alors sortent de la force, oh, sans eau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Parle au Seigneur, 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 parle au Seigneur. Parle, parle, parle au Seigneur au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 bien-aimé. Prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le sang de Jésus alors te fasse sortir de cette force. Élève la voix, 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 frère.
monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, oh, sans le sang de Jésus. Tu vas te tenir levé, s'il te plaît, pour trois sujets importants. Sans le sang de Jésus, oh, sans le sang de Jésus, oh, sans le sang de Jésus, oh, ce sang qui libère, oh, sans le sang de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que son sang aide alors tes enfants à sortir alors de la force. Bien-aimé, alors tu es né dans une famille et cette famille-là, tu vois une famille comme ça, mais il y a une force, il y a une force dans la famille, une force dans ton village. Une force dans ton, dans ta région. Il y a une force dans laquelle les âmes se trouvent. Alors tu vas dire au Seigneur, implorer la grâce de Dieu, que tes enfants sortent de cette force par le sang de Jésus, par le moyen du sang de Jésus. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, je vais crier à toi aujourd'hui afin que Seigneur, la force, oh, de mon village, de ma famille, dans laquelle, ô éternel Dieu Tout-Puissant, dans laquelle, éternel Dieu de gloire, ô Dieu créateur du ciel et de la terre, dans laquelle mes enfants se trouvent, éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de majesté, éternel Dieu de fidélité, éternel Dieu de gloire, Seigneur, s'il te plaît. Je prie que mes enfants et moi, ainsi que ma femme, nous sortons de cette force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Tu vois ton village comme ça, mais il y a une force. Il y a un trou, il y a un trou, il y a une force. Un puits. Ça est dans ton village, ça est dans ta famille, c'est spirituellement. Et tous les membres du village, les membres de la famille se trouvent dans cette force. Alors que le Seigneur intervienne, le Seigneur intervienne, le Seigneur intervienne. Ô Dieu créateur du ciel et de la terre, sans le sang de Jésus, qui peut sauver mes enfants de la force de ma famille, depuis alors que ma famille existe. Cette force est là, tout le monde s'est retrouvé dedans. Mes arrière-grands-pères, mes parents, mes pères, eux tous se sont retrouvés, nous tous, on s'est retrouvés dans cette force. Qui va nous sauver? Qui va nous sauver? Mais aujourd'hui, nous avons la bonne nouvelle que le sang de Jésus, alors nous sort de la force. Oui, selon la prophétie donnée par Zacharie, le sang de Jésus sort mes enfants de la force sans eau, la force dans laquelle il n'y a point d'eau. Oh Seigneur mon Dieu, je veux crier à toi ce soir. Adonai, je veux crier à toi. Oh El Shaddai, je ne veux pas sortir seul, mais je veux que mes enfants sortent avec moi. Je veux que mes enfants sortent avec moi. Je veux que tous mes enfants sortent avec moi. Que Ruth sorte, Cynthi sorte, Élisée sorte, de Keren sorte, Josué sorte, Daniela sorte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel Dieu des armées. Ô Père éternel Dieu de gloire. Ô Père éternel Dieu de grâce. Ô Père éternel Dieu de bonté, Dieu de justice. Ô Père éternel Dieu d'amour.
Oh Père éternel, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit. Oh Père éternel, toi le Dieu souverain, le Dieu admirable, le Dieu incomparable. Oh Père éternel, toi le Dieu riche, le Dieu fidèle. Je veux compter sur ta grâce. Oh Père éternel, s'il te plaît, que mes enfants sortent de cette force aujourd'hui et pour nous. Que mes enfants sortent, que mes enfants sortent par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, par le puissant sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, que leur âme soit libérée, soit libérée, soit libérée, soit libérée de la force, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Bien aimé, prie, c'est important. Prie, 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 c'est important, c'est important. Oh, bien-aimé, je t'invite à prier, 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 je t'invite à prier. Oh, Seigneur Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Adonai, Elohim, El Shaddai, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, parle ton sang. Oh, Seigneur, mes enfants m'ont sorti. Et je déclare que mes enfants soient libérés de la force. Mes enfants soient libérés de cette force. La force sans eau dans laquelle mon père a été. Oh Seigneur, il est mort de façon prématurée. La force sans eau dans laquelle ma mère a été. Elle est morte de façon prématurée. Dans la misère, dans la pauvreté. La force sans eau dans laquelle mes oncles ont été. Mes tantes ont été. Oh, dans laquelle mes parents se trouvent actuellement. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je déclare que par le sang de Jésus, mes enfants sortent maintenant. Je prie, je prie, je prie, je prie. Au nom puissant de Jésus, Père éternel Dieu de gloire, Père éternel Dieu de bonté, Père éternel Dieu de fidélité, Père éternel Dieu de grâce, Père éternel Dieu de miséricorde, Père éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Oh Jésus, tu es Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je crie à toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors tu vas prier que par le sang de Jésus, toi et ta famille, vous marchez dans la victoire. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, je crie à toi maintenant, Seigneur, par le moyen du sang de l'agneau, Père. Je veux que moi et mes enfants, moi et ma famille, nous marchions dans la victoire, Seigneur. Je veux crier à toi, éternel Dieu des armées. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es roi. Jésus-Christ, tu es vivant. Jésus-Christ, tu es puissant. Jésus-Christ, tu es adorable. Jésus-Christ, tu es admirable. Jésus-Christ, tu es incomparable. Jésus-Christ, tu es riche. Jésus-Christ, tu es fidèle. Oh, tendre Père, je crie à toi, Seigneur. Oh, Adonai, je crie à toi, Seigneur. El Shaddai, je crie à toi, Seigneur. Dieu vivant, je crie à toi, Seigneur. Dieu puissant, je crie à toi, Seigneur. Dieu d'amour, je crie à toi, Seigneur. Dieu de fidélité, Dieu de justice, je crie à toi, Seigneur. Toi, le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, je crie à toi, Seigneur. Toi, le Dieu qui guérit, Seigneur, mon Dieu, Papa, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, que moi et ma famille, moi et mes enfants, que nous marchions dans la victoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, je veux compter sur toi, éternel Dieu vivant, je veux compter sur toi, éternel Dieu puissant, je veux compter sur toi, éternel Dieu d'amour, je veux compter sur toi, éternel Dieu de fidélité, Dieu de justice, je veux compter sur toi, éternel Dieu de gloire, je veux compter sur toi, éternel, je veux compter sur toi, que moi et mes enfants, par le sang de Jésus, nous marchons dans la victoire, nous marchons dans la victoire, que 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 nous marchons dans la victoire, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ô Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Le dernier sujet pour ce soir, tu vas prier. Que par le moyen du sang de Jésus, toutes les bénédictions qui viennent de Dieu, alors vous parviennent, toi et ta famille. Parce que le sang de Jésus joue rôle de couloir, de lien. Voilà. Donc les bénédictions, ce qui vient de Dieu là, ça passe pour venir vers toi, vers tes enfants. Or tout ce qui vient de Dieu, c'est quoi? C'est la vie, la santé, la paix, la joie, tout. Prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, par le moyen du sang de Jésus, je prie que Père, toutes les bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, alors Seigneur mon Dieu Papa, me parviennent à moi et à ma famille. Je vais crier à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais implorer ta grâce, je vais implorer ta bonté, je vais implorer ta fidélité, ta grandeur Papa. Si je suis lié à Dieu, alors je dois recevoir ce qui vient de Dieu. Je dois recevoir la vie qui vient de Dieu. Je dois recevoir l'éternité qui vient de Dieu. Je dois recevoir l'éternité qui vient de Dieu. Je dois recevoir la puissance de Dieu. Je dois recevoir l'autorité de Dieu. Je dois recevoir, oh Seigneur mon Dieu, la santé parfaite. Oh Seigneur, parce que de Dieu vient la santé. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je dois recevoir la liberté. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est la liberté. Ô Père éternel, Dieu vivant, Dieu puissant. Ô Père éternel, Dieu d'amour. Père éternel, Dieu d'amour. Au nom puissant de Jésus, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, Seigneur, par ton sang, ôte de mon âme les effets des nourritures de sorcellerie que j'ai mangé au nom de Jésus. Ô Seigneur, que par le sang de Jésus, ma maison soit purifiée de toute souillure déposée par les sorciers au nom de Jésus. Ô Dieu, par le moyen du sang de Jésus, que toutes les bénédictions qui viennent de toi me parviennent et parviennent à mes enfants. Au nom de Jésus, ô Dieu, par le moyen du sang de Jésus, par le moyen du sang de Jésus, que toutes les bénédictions, que toutes les bonnes choses qui viennent de toi me parviennent et parviennent à mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Seigneur, par le moyen du sang de Jésus, par le moyen du sang de Jésus, par le moyen du sang de Jésus, que mon âme, que l'âme de mes enfants soit libérée de la force satanique, de la force diabolique dans laquelle mes aïeux se sont retrouvés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Seigneur, par la puissance du sang de Jésus, que mes enfants et moi soyons libérés de la force satanique, diabolique de mon village, dans laquelle les habitants de mon village se sont retrouvés depuis la création de mon village. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Je déclare que par le moyen du sang de Jésus, moi et mes enfants, nous sortons de la force diabolique dans laquelle se trouvent les habitants de mon village. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, par le moyen du sang de Jésus, qui me met en alliance avec toi, fais-moi sortir, fais sortir mes enfants, fais sortir mes enfants, fais sortir mes enfants, comme Joseph est sorti de la force satanique, diabolique, dans laquelle mes aïeux, mes ancêtres se sont retrouvés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, ô Dieu, que ton sang, le sang de Jésus, me libère aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, amen. Bien. Qui a compris le message de ce soir? Je veux une personne pour venir me résumer un peu. Oui. Une personne pour nous résumer. Un homme, une femme. Je vais désigner. Comme le dirigeant à côté de nous vient nous résumer. Tu peux nous résumer? Ouais, viens nous dire quelques mots. Ah, ton micro. Ouais, viens nous dire quelques mots. Amen. Oui, j'ai surtout que nous avons une alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Et c'est cette alliance, c'est par cette alliance au travers du sang de Jésus que nous sommes sauvés de la fosse sans eau. Et par ce sang, nous recevons la grâce, les bénédictions de Dieu. Par ce sang, nous sommes liés à Dieu. Par ce sang, nous recevons la vie. Et nous avons la victoire. Donc, c'est ça que j'ai un peu retenu. Voilà. OK. Sois béni. Alors, je vais faire la prière finale. Seigneur, nous te bénissons. Chaque jour, tu approfondis notre connaissance et tu nous fais réaliser combien il est important d'être en alliance avec toi. Et cette alliance, c'est par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous lie à Dieu. Ce n'est pas notre sacrifice. Ce n'est pas, Seigneur, tout ce que nous faisons, mais c'est le sang de Jésus qui nous lie à toi. C'est pourquoi personne ne peut se vanter d'être lié à Dieu par ses propres moyens. Non. Tu l'as fait seul. Tu l'as décidé seul. Tu as vu les hommes dans cette fosse, dans ce trou, dans cet enfer. Oui, nous étions vraiment en souffrance, comme le prophète Zacharie l'a annoncé, dans cette fosse sans eau. Nos parents, nos aïeux, nous-mêmes sommes retrouvés dedans, et de génération en génération, nous sommes en train
en proie à la souffrance parce qu'il n'y a point d'eau. Mais il t'a plu de nous tendre la main. De quelle manière? Tu as mis un lien, un moyen par lequel nous pouvons sortir, un moyen auquel nous devons nous agripper. Tu l'as envoyé pour l'attacher à nous, pour que nous puissions sortir et que nous menions une vie nouvelle. Et c'est le sang de l'agneau qui est ce seul moyen. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est pourquoi, quand la population de Jérusalem se moquait de Christ, quand les hommes riaient de lui, lui au contraire se réjouissait parce que les hommes étaient en train d'être sauvés. Plus le sang de Christ coulait, plus le nom de ceux qui devaient être sauvés augmentait. Et ton sang a coulé pour toutes les générations jusqu'à l'éternité. Ton sang ne coulera plus, ça a coulé une seule fois. Mais tu nous donnes à travers ta parole la connaissance, la révélation, afin que nous puissions être liés à toi par le moyen de ce sang. Aujourd'hui, je voudrais te recommander la vie de tout un chacun de nous. Que ce soit nous qui sommes ici, comme tous ceux qui nous suivent, le temps est venu pour que nous comprenions simplement la parole. Seigneur mon Dieu, ce que nous devons faire pour que le sang de Jésus puisse alors être efficace, à savoir la vie de repentance, la vie de confession, car c'est par là que tout commence. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir pratiquer cela. Seigneur, la vie de sainteté vraie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te prier, te supplier. Et chaque jour, tu nous apprends comment nous tenir, comment nous comporter. Nous sommes faibles, mais donne-nous de considérer ta parole et de nous remettre en cause. Cette fois, le juste tombe. Cette fois-ci, si tu réponds sincèrement, tu lui pardonnes. Je prie que personne ici ne se considère dans une défaite totale où Dieu ne va plus lui pardonner. Au contraire. Seigneur, tu veux nous faire du bien. Tu veux nous faire du bien. Aide-nous, Papa. Nous nous préparons à ce grand moment qui aura lieu en décembre. Nous voulons, avant d'arriver là-bas, apprendre beaucoup de choses. Nous voulons que, Seigneur mon Dieu, nos enfants aussi, par le moyen du sang de Jésus, soient sauvés. Éternel Dieu Tout-Puissant. De même que Joseph n'est pas resté dans ce puits dans lequel ses frères l'ont jeté, de même aussi ne permet pas que nous, nos enfants, nous restons dans la fosse. Nous voulons vivre une vie de victoire, à savoir être en alliance avec toi. Et je prie aussi pour tous ceux qui traversent des moments d'épreuve, de difficultés, de problèmes. Donne-leur de comprendre qu'ils veillent à entretenir cette alliance. Car les épreuves, les problèmes ne signifient pas qu'on a échoué. Je veux compter sur ta grâce. Merci encore une fois. Je te confie tes enfants qui vont rester à minuit pour prier. Fortifie-les. Donne-les le courage. Au nom de Jésus. Amen.